Oui, au fait, on est dans une zone d'instabilité qui influence les temps actuellement là, et nous attendons que les temps libres sont nuageux avec une banlieue qui est basse, et cette banlieue là devient plus fréquente durant la nuit, et pour le moment, on est capable d'intensité modérée localement forte avec orage aussi. C'est plutôt une zone d'instabilité qui approche l'île pour le nord-ouest, c'est ça qui amène ce type de temps là. La mer est praticable pour le moment. Bon, demain matin, toujours pareil. Et puis, amélioration, on va dire graduelle, demain pendant la journée. Et pas pour un beau temps, hein. Il faut toujours pareil comme aujourd'hui, là. Et un étang nuageux avec, ben, la pluie un petit peu épaisse. Puis, là, nous attendons qu'ils prennent l'autre épisode de pluie qui pour modérer à la faute. Et ça, il peut paraître de samedi à dimanche. Et Rodrigue aussi, là, pour le moment, il y a un nuage assez actif qui peut évoluer dans les environs de l'île. Et là, pour le moment, nous attendons d'un appui occasionnel pour cet après-midi. Et au fur et à mesure, durant la nuit, nous attendons que ça va être un appui là plus fréquent et un risque de gagner l'orage aussi. À Galega, donc, toujours sous l'influence de zones de convergence intertropicale. Et pour les prochaines 24 heures, nous allons dire que c'est les temps de bourrés toujours nuageux avec l'appui accompagné d'orage.